Jérém à la recherche de la motivation, épisode numéro 2. Épisode 50. Allez, c'est bien. Pousse dans les mains, très bien. Serre les abdos. Allez, dis. Plus haut les genoux, plus haut. Plus haut les genoux. Super. Et on revient tranquillement. Allez, monte bien les genoux. Hop, 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 hop. Plus haut. Ok, et maintenant les 20 squats, tout de suite. Allez, 1, serre un peu les pieds, 2, 3, nickel, 4, allez, souffle bien, fesse vers l'arrière. Excellent, encore, bouge pas les hanches. Excellent, change bien de main, voilà. Parfait. Prends ton temps de tourner. Hop, voilà, vers la gauche. Super. Quelle motivation aujourd'hui, j'en suis impressionné. C'est vrai? Ouais, pour de vrai en plus. C'est même pas pour te faire plaisir. Oh, mais vous savez que j'ai du mal à tenir mon téléphone en l'air là. Je viens de rentrer du sport, j'ai tellement mal au bras. D'ailleurs, ça se voit, je tremble un peu quand je lève le téléphone pour me filmer d'en haut. Ah, mais là, les effets de la séance, je les sens, hein. Wow! Je jure, rien que de tenir le téléphone comme ça, enfin, vous, on se rend peut-être pas compte, mais ça m'appuie tout là, parce que j'ai forcé de ouf aujourd'hui, et ça me fait grave mal. Bon, vous l'avez compris, j'ai donc pas arrêté le sport, j'ai décidé de continuer. J'étais en grosse perte de motivation. Et comme vous le savez, je suis un battant, j'ai entrepris un rééquilibrage alimentaire, j'ai arrêté de fumer, je me suis mis au sport. Et en général, j'essaye vraiment d'aller au bout des choses, donc ça aurait été dommage de baisser les bras. C'est vrai que c'est très ingrat comme sport, ce que je fais, parce qu'il suffit que tu t'arrêtes un peu pour perdre tout ce que tu as fait. Les résultats sont très très longs à arriver. Donc voilà, c'est sûr que c'est très démotivant. Mais pour rien vous cacher, en ce moment, j'ai pas trop le moral, particulièrement aujourd'hui, même si ça se voit pas trop et que je fais le pitre dans mes stories comme d'habitude. Je suis très triste aujourd'hui et finalement, le sport, ça a aussi, on va dire, cette vertu-là de pouvoir évader l'esprit et souffler un petit peu et penser à autre chose. Donc voilà aussi pourquoi je continue le sport. Parce que déjà dans la vie de tous les jours c'est pas tout le temps facile, mais aujourd'hui particulièrement j'étais vraiment pas bien et triste, et cette séance de sport m'a permis de penser à autre chose pendant une heure, de me dépasser et de souffler un bon coup. Voilà, bref, je suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, et voilà.